Alors, c'est vrai que le glyphosate fait beaucoup parler de lui en ce moment, entre autres parce qu'il va y avoir, il y a en ce moment des votes à l'Union européenne pour savoir si la molécule va être interdite ou pas. Voilà, ça pose, pour moi personnellement, ça pose un peu un souci parce qu'on met le focus sur cette molécule, alors qu'il y a beaucoup d'autres molécules dans les produits phytosanitaires. C'est un produit, donc un herbicide qui est très très utilisé parce qu'il est à large spectre. Il est efficace, il est relativement peu cher, ce qui fait que depuis des années, les agriculteurs l'utilisent. Et évidemment, à force d'en utiliser en grande quantité, ça finit par s'accumuler dans le sol et dans l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le glyphosate, c'est effectivement une molécule, mais que ce dont les agriculteurs utilisent, c'est les produits, donc le Roundup. Et que le Roundup est composé effectivement d'un certain pourcentage de glyphosate, mais qu'il y a énormément d'autres molécules, et entre autres les adjuvants. Et les adjuvants ne sont pas du tout inoffensifs. Donc il y a un peu un amalgame entre glyphosate et Roundup, alors qu'en fait c'est complètement différent. Et effectivement, ce qui pourrait être remis en question, c'est peut-être les Roundup. Effectivement, les Roundup sont toxiques, mais cette toxicité est surtout due aux adjuvants et aux coformulants, enfin surtout aux adjuvants. La molécule glyphosate, comme toute molécule chimique, n'est pas anodine, mais ce n'est pas la plus dangereuse des produits phytopharmaceutiques. Voilà. Puis, il y a énormément de Roundup. En France, il y en a plus de 30 à 35 qui sont homologués. Après, il y a d'autres produits phytosanitaires qui contiennent du glyphosate, il y a les glyphos, etc. Donc en France, il y a une soixantaine de produits qui sont homologués et qui contiennent du glyphosate. On met beaucoup de toxicité sur le Roundup à lui seul, et je pense que la toxicité, ça peut être très bien dû à d'autres produits qui sont spécifiques de certaines cultures ou au cocktail entre ces deux produits. Par rapport à la toxicité du glyphosate, en fait, il faut voir que beaucoup d'études ont été faites sur les Roundup. Et il a été montré par plusieurs auteurs, entre autres Gilles-Éric Serralini, que les Roundup étaient plus toxiques que la molécule glyphosate toute seule. Ce qui est intéressant de voir pour voir la toxicité d'une molécule, il y a quand même des données objectives qui permettent d'appréhender un peu la persistance d'une molécule. Et je trouve que c'est très important. Avant même de voir la toxicité, je pense qu'une molécule qui est vraiment très persistante, on va au devant de problèmes. Le glyphosate n'est pas très persistant. Il a un temps de demi-vie de 15 jours. Alors le temps de demi-vie, c'est un petit peu technique. En fait, c'est le temps au bout duquel la moitié des molécules est dégradée. C'est-à-dire que si vous épandez 1 kg de glyphosate, 15 jours après, il en restera 500 grammes, et 15 jours encore après, il en restera 250 grammes, etc. Donc c'est un temps de demi-vie relativement rapide. Si on fait une comparaison avec la molécule chlordécone, qui n'a jamais été homologuée en France, mais où il y a eu une dérogation pour l'outre-mer, le temps de demi-vie est, je crois, dans les 350 jours. C'est-à-dire qu'il faut un an pour que la moitié des molécules se dégradent. Donc si on met 1 kg de chlordécone, il faudra un an pour qu'il y en ait 500 grammes, il faudra 2 ans pour qu'il n'y en ait plus que 250 grammes. Donc vous voyez la différence au niveau de la persistance. Après, il y a un autre facteur qui est très important, c'est la proportion de la molécule à s'accumuler dans les tissus. Et ça, c'est très important aussi. Ça s'appelle le facteur de bioconcentration. C'est la proportion de la molécule à se fixer dans les lipides. Les membranes cellulaires, c'est plein de lipides, donc ça va s'accumuler dans les membranes cellulaires et donc dans les cellules et donc dans les tissus. Et le glyphosate, c'est un facteur de bioconcentration de 0,5. Le chlordécone, c'est un facteur de bioconcentration de 60 000. Donc ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc là, on fait une fixation sur le glyphosate. Bon, c'est une chose, mais déjà, c'est une molécule pas très persistante. Par contre,
L'un des produits de dégradation du glyphosate, c'est l'AMPA. Et là, l'AMPA est beaucoup plus persistant. Ça a un temps de demi-vie, alors en fonction des expérimentations, entre 150 et 400 jours. Et donc là, le problème, c'est que l'AMPA va s'accumuler. Voilà. Donc actuellement, c'est vrai que le glyphosate, les Roundup sont utilisés en très grande quantité. C'est pour ça qu'on en retrouve partout, même s'ils se dégradent assez rapidement. Et surtout, l'AMPA s'accumule partout dans les eaux, particulièrement dans les eaux. Alors, le souci, c'est que quand un agriculteur ou même les coopératives achètent des produits, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dedans. La seule chose qu'ils savent, c'est la concentration de la molécule active et il y a sur le produit marqué certaines phrases de risque. Alors, les phrases de risque, en fait, ce sont des phrases qui disent que le produit peut donner tel risque. Par exemple, toxique par inhalation, peut donner des brûlures graves, cancérigène probable, etc. etc. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres molécules qui sont présentes dans le produit, comme je l'ai déjà mentionné, et ces molécules peuvent être toxiques, très toxiques. Il y a des adjuvants, c'est du benzène, donc ça c'est extrêmement toxique. Et donc moi je pense que ce qui serait absolument indispensable, c'est que la composition des produits soit connue, comme pour les médicaments. Pour les médicaments, sur chaque boîte, il y a la composition du produit. Alors, quand on demande ça, on nous dit « Ah, c'est secret industriel ». Mais pour les médicaments, c'est aussi secret industriel, et là, il y a bien une législation qui oblige. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour les produits phytosanitaires, ce ne serait pas obligatoire. Alors, par rapport aux phrases de risque que je viens d'évoquer, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des phrases de risque par rapport au risque cancérigène, par rapport au risque de problèmes sur la fertilité et le développement. Par contre, il n'y a aucune phrase de risque sur les problèmes neurotoxiques. Alors maintenant, on se rend compte qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont la maladie de Parkinson. C'est maintenant reconnu comme une maladie professionnelle. Et il n'y a pas de phrase de risque sur les problèmes neurotoxiques. Il n'y a pas de phrase de risque également sur les perturbateurs endocriniens. Donc, le fait que la société civile et l'Union européenne s'intéressent au problème du glyphosate et de la toxicité du glyphosate est très intéressant parce qu'enfin, ça montre qu'il y a des problèmes au niveau des produits phytosanitaires. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on focalise uniquement sur le glyphosate, mais en fait, c'est un peu noyer le poisson dans l'eau, parce qu'il y a énormément d'autres molécules dans les produits phytosanitaires. En France, il y a plus de 6000 produits phytosanitaires qui sont homologués, avec, je crois, 1900 à 2000 matières actives, donc molécules dites matières actives, qui sont dans ces produits commerciaux. Et donc, moi, j'aimerais bien ouvrir un peu le débat et élargir ce problème des produits phytosanitaires. Donc, si on interdit la molécule glyphosate, quelles pourraient être les conséquences? Et personnellement, je pense que le remède risque d'être pire que le mal, parce que les agriculteurs ne sont pas prêts à ne plus utiliser d'herbicides. Ils l'utilisent énormément et ça leur est utile à l'heure actuelle. Et donc, ils vont remplacer ça par d'autres herbicides qui risquent d'être tout aussi toxiques. Il y a les molécules herbicides, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus toxiques que le glyphosate. Après, comme on ne connaît pas la composition des adjuvants, globalement, je ne sais pas si les produits sont plus toxiques ou non, mais les molécules, oui. Après, il y a d'autres alternatives que les herbicides chimiques. Il y a effectivement le désherbage mécanique. Et puis, il y a tout ce qui est technique agroécologique. Et ça, effectivement, c'est intéressant. Je pense que l'agriculture du futur, c'est ça, ce serait l'agroécologie. Mais on ne passe pas d'une culture conventionnelle à une culture en agroécologie du jour au lendemain. Et donc, les transitions sont compliquées, entre autres pour le désherbage. Donc on peut aussi se poser la question du pourquoi de l'interdiction du glyphosate à ce moment précis. Donc le glyphosate, c'est une molécule Monsanto.
Monsanto a été racheté par Bayer. Bayer propose aussi des molécules herbicides. Et donc, il y a des lobbies très importants au niveau des firmes phytopharmaceutiques. Et on peut se poser la question de savoir si la décision de la Commission européenne n'a pas été quand même influencée par ces lobbying, et que cette décision, finalement, est peut-être plus importante et ne tient pas compte forcément vraiment du bien commun. Donc en conclusion, je voudrais revenir sur le fait que l'interdiction de cette molécule est intéressante au niveau sociétal, parce qu'il pose le problème des produits phytosanitaires en général. Enfin, moi, j'aimerais surtout revenir là-dessus et dire que de toute façon, toutes les molécules chimiques ont un risque plus ou moins élevé et qu'un jour, il faudra quand même se débarrasser de ces molécules. Et même les molécules autorisées en agriculture biologique, les molécules naturelles, ont aussi des effets toxiques. Et vraiment, je pense que il faut changer de paradigme et que l'avenir de l'agriculture, c'est effectivement l'agroécologie, c'est-à-dire utiliser les systèmes écologiques au service de l'agriculture, mais en plus avec des techniques modernes. L'agroécologie, ce n'est pas l'agriculture de grand-papa, c'est une agriculture de précision et je pense que c'est intéressant d'aller vers ce chemin. Le problème, c'est la transition pour passer des agricultures conventionnelles aux agricultures agroécologiques. Et ça, c'est un long chemin.